Ce qui est bien, moi, je trouve, c'est que déjà, dès le début, t'as une tête rigolote. Et quand on te voit comme ça, t'es... Enfin, t'as un côté... Et donc, je pense que ça, c'est un truc qu'il faut que tu utilises quand t'arrives sur scène, que t'ailles vraiment dans quelque chose qui soit de l'univers du clown. De la clownerie, ouais. Ah ouais. Sur le côté one-man show, je pense qu'il y a les choses qu'on dit et il y a la façon qu'on a de les dire. Et tu vois, si t'arrives sur scène en faisant bonjour, messieurs, dames, merci d'être là, et si t'arrives bonjour, enfin tu vois, en faisant des grimaces rigolotes, fais une grimace rigolote, va un peu. Ça, c'est marrant, par exemple. Ah ouais. Ça, c'est drôle. Il y a une grande force comique dans ce que tu viens de faire, et je pense qu'à mon avis, c'est il faut que tu creuses là-dedans, tu Toi, vois. tu penses que j'ai un potentiel comique en faisant des grimaces? Moi, si tu veux, je pense vraiment que tout ce qui est de l'univers de la clownerie, ça va justifier que tu cries sur scène. Alors! Enfin, t'es pas obligé de le faire du nez. Mais tu peux arriver vraiment en faisant, tu vois, ce côté vraiment comique. Bonjour les amis! Et ce qui est important, c'est parce que les gens se reconnaissent. C'est important que les gens se reconnaissent dans ce que tu fais. Tu vois, si tu fais un spectacle sur l'adoption, ça veut dire qu'il va falloir essentiellement un public de gens adoptés dans ta salle. Et ça va être un peu compliqué au niveau communication, mais ça, tu es obligé de passer par là. Ah ouais. Ah oui, il faut vraiment des... Alors, je sais pas comment tu vas te débrouiller sur l'affiche et tout, mais... Vous avez été adopté? Bon, c'est toujours avec les têtes rigolotes. Ben, venez voir mon spectacle. Bon, après, ça fait pas de bruit, on peut pas parler sur une affiche, mais ça, tu te débrouilles, tu mets des bulles, un peu comme sur une BD, et tu dis entièrement toutes les vannes sur l'adoption. Et les gens, ils vont être là, tous les gens adoptés vont se dire, voilà, je peux te dire, lui, je vais aller le voir.